sont deux amis qui chantent à la fête de l'Osaka. L'impresario parisien a remarqué Vincent et souhaite l'engager. Vincent doit faire ses preuves à Paris, mais assez timide, parce qu'il est bien timide, notre Vincent, aimerait bien que son ami Bilou monte à la capitale avec lui. Bilou, qui a l'air un peu niais. Donc je disais donc, Bilou garde des moutons dans la montagne. Mais par chance, il a trouvé quelqu'un pour le remplacer. Dis Bilou, tu le diras à personne si on ne réussit pas qu'on est allé à Paris. Ah oh ben tu réussiras. Compte sur moi, je suis là. Ah ben mais pourquoi faire? Ben pour t'encourager, voyons. Pour m'encourager? Ben oui, c'est peut-être la chanson ce qui est dans mes moyens. Ah mais c'est vrai. Tu sais, un ami sincère dans la vie, c'est quelque chose. Ah oui, ça sert. Hein? Alors, allez, viens, on y va. Mais pourquoi faire? Ben pour chanter. Ah bon? Allez. Attention. Ah ben non. Chez l'oncle de Bilou. Dans l'épicerie, il rencontre un bel cri-cri qui connaît maintenant l'objet exact de l'arrivée des deux compères. Oui, bon Vincent, je te cherchais partout. Tu sais, je t'ai inscrit à un concours chanteur amateur à Paris. Oui. Donc, on doit partir pour prendre le train. C'est pas possible. Mais si. Mais ne fais pas de trouille, moi. Bah, pourquoi t'as décidé une chose pareille sans m'en parler avant? Mais tu vas voir, tout va bien se passer. Oh. Allez, viens. Oh. Viens, mon Vincent. Encore une fois. Viens. Le jour du concours, Vincent, très angoissé, monte le dernier sur la scène et interprète l'une de ses compositions avec la chorale des amis de l'Orgue de Cany, Rossignol de mes amours. Ça ne rigole pas. Il était une fois une fille de bon cœur, qui s'est sauvée.
résultats du grand concours de chant de Paris. C'est notre ténor Vincent qui a remporté le premier prix, accompagné de ce trophée. Bravo Vincent, approche-toi. Merci, merci, merci pour vos applaudissements. Merci beaucoup. Ils me vont droit au cœur. Et si vous savez comme je suis ému, oui, très ému. N'en fais pas de trop. Oh, vous vous rendez compte, un gars de chez nous qui a gagné un trophée comme ça, on peut l'applaudir encore. Vous pouvez encore applaudir, oui, merci beaucoup.